Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum à toi, mon très cher frère Drissa Traoré, depuis ta position omniprésente. Sako Daïfani, salut à toi. Khalifa Sidimé, salut à toi. Salut à tous ceux qui sont connectés. Chers frères et sœurs, c'est votre frère, le Zoulou de Bogota. Je viens dans ce direct pour vous donner des nouvelles importantes et surtout même très très importantes, et on va profiter ici encore pour dire merci à notre papa, le sauveur de la Côte d'Ivoire, le sauveur de l'Afrique. On va souhaiter ici longue vie à notre papa Valence Koné Tirego Madi, pour souhaiter longue vie à notre papa. Parce que, chers frères et sœurs, vous savez, il y a des petits signes qui ne trompent pas. Il y a des petits signes qui ne trompent pas. Je commence à voir sur les réseaux sociaux, même France 24 a partagé. Bon, je ne sais pas si c'est France 24, j'ai vu ça sur Google. Où il y a des gens qui disent que le patron de Wagner est quelque part en Afrique, en train de nous présenter une vidéo pour nous dire qu'il est en Afrique. Mais est-ce que vous avez compris le sens de cette vidéo? Le sens de cette vidéo, qui est au-delà de tout un montage, a un seul objectif. Dire à la CEDEAO, a dit faire croire à la CEDEAO qu'aujourd'hui, le patron de Wagner, il est en Afrique pour faire chose. Ce qui est important de savoir, ce qui est important de savoir, Adia Konaté Doumbia, ma très chère grande soeur, salut à toi depuis ta position. Ce qui est important de savoir, c'est que nous avons affaire à des personnes qui eux-mêmes ne connaissent pas le sens de leur combat. Vous voyez, quand parfois tu as l'occasion de parler avec un soi-disant panafricain et que tu lui poses la question de savoir, vous prenez le temps d'analyser, vous leur posez la question de savoir. Tu dis le panafricanisme, même là, même le sens là, c'est quoi? Il faut nous expliquer. Demande à un panafricain de te dire le mot panafricanisme, là, qu'est-ce que ça veut dire? On veut faire du gagnant-gagnant. On est fatigué de subir. On est tous les mêmes pays. On ne peut pas perdre le temps. Nous, on ne va pas continuer toujours à aller demander. Aïe. Walaru, Walorusita, Ouattara, salut à toi. C'est-à-dire que c'est parce que les gens ne réfléchissent pas. Et regardez, pour vous dire, il n'y aura jamais d'égalité sur cette terre. Pas parce que nous on le dit, pas parce que nous on est mauvais, pas parce que nous on est injuste. Il n'aura jamais d'égalité sur cette terre. Ce que vous pensez là, ça ne peut pas exister. Parce que je vais vous dire quelque chose. Notre Créateur, Dieu qui nous a créés, regardez les membres, regardez vos membres. Prends tes cinq doigts. Prends tes cinq doigts. C'est Dieu qui a créé ça pour te donner. Dieu qui nous a créés là. C'est lui qui nous a donné les cinq doigts. Montrez-moi un être humain sur cette terre qui a ses cinq doigts, qui a ses cinq doigts, où il n'y a pas de différence, qui ont la même taille. Montrez-moi un être humain sur cette terre qui a les cinq doigts égal. Montrez-moi un être humain sur cette terre qui a les cinq doigts qui sont égaux. Montrez-moi une famille, un père de famille, une mère, qui a peut-être quatre enfants et puis cinq enfants,
Les quatre enfants là, ils sont grands, ils ont la même taille. Eux tous, ils ont la même taille. Ils pèsent le même taux, le même poids. Ils mangent la même nourriture. Montrez-nous. Ça n'existe pas. Montrez-moi une famille où il y a cinq enfants dedans. Et puis les cinq enfants, là, ils ont même taille. Ils pèsent le même doigt. Montrez-moi un être humain qui a ses cinq doigts égaux. Montrez. Je vais vous donner un exemple. Il y a la Coupe d'Afrique en 2024 en Côte d'Ivoire. Il y a la Coupe d'Afrique en 2024 en Côte d'Ivoire. Quand on veut faire le tirage au sort là, il y a les têtes de série. Il y a les têtes de série. Il y a des pays là, quand on doit faire le tirage au sort là, eux sont dans le premier groupe. Il y a le deuxième groupe. Il y a le troisième groupe. Et puis il y a le quatrième groupe. Parce qu'on ne peut même pas concevoir que demain on va aller en Coupe d'Afrique et puis on va aller trouver le Cameroun, le Sénégal, le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, et puis peut-être le Maroc qui sont dans la même poule. Et puis le Cameroun qui sont dans la même poule. Les cinq là sont dans la même poule. Ça veut dire que tout ce qui existe là, il n'y a pas d'égalité dedans. Ce n'est pas possible. Donc, votre combat que vous êtes en train de mener là, vous êtes dans un combat d'hypocrisie. Parce que ce que vous demandez là, moi-même là, nous, on va venir vous poser la question. Mais quand tu vas leur poser la question, c'est pour dire non. C'est parce qu'ils sont venus voler chez nous. C'est parce qu'ils sont venus voler chez nous. J'ai dit quelque chose ici dans mon direct la dernière fois. Il y a des pays de l'Afrique. Le pays même, il est pauvre. Le pays est pauvre. Mais les citoyens sont plus riches que le pays. Il y a des pays. Le pays est pauvre. Il n'y a rien. Mais dans cette pauvreté-là, il y a certains citoyens. Et ils sont les milliardaires. Mais les gens meurent de faim. Donc quand je vois certains hommes politiques africains qui viennent s'asseoir pour dire non, on vient demander. Il y a des Maliens, j'ai dit il y a des Maliens, qui sont au Mali. Avec l'argent qu'ils ont là, l'État malien n'a pas besoin de se lever pour aller demander quelque part d'autre. Ses propres citoyens-là peuvent aider les autres Maliens. En Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens. Si vous pensez que nous, c'est parce que nous, on ne va pas demander blé. Mais le blé que les Burkinabés sont allés demander là, il y a des Burkinabés. Il y a des Burkinabés au Mali. Si eux, ils veulent là, ils peuvent prendre toute la population de Ouagadougou. Toute la population de Ouagadougou. Il les prend, il les nourrit matin, midi et soir. Pendant 10 ans, pendant 20 ans, ils sont en Afrique. Mais qu'est-ce qu'on fait? On laisse ceux-là. Et puis on arrive ici. Regardez l'hypocrisie de certains Africains. Il y a des gens qui ont créé des soi-disant ONG aujourd'hui en Afrique. Ils sont en Europe ici. Et puis ils créent ONG. Et puis ils font vidéo. Djibouati de Tengrela, salut à toi depuis ta position. Ils font vidéo. Pour dire non, on est là, on est en train de demander ici. Ils n'ont qu'à nous donner l'argent, les gens souffrent, les gens ont besoin d'argent, les gens ont besoin comme ça, on doit aller les aider. Il y a un Richard européen, français, italien, qui l'appelle pour dire, j'ai vu les trucs de ton ONG là, tu m'as envoyé. Tu as besoin de combien? Tu as besoin de quoi? On ramasse, ça dit que la personne l'appelle et puis lui dit. Toutes les marchandises que tu veux, tout ce que tu veux pour aider les gens en Afrique là. Dis-moi, c'est dans quoi tu veux les mettre? Je vais les mettre dans le conteneur. On remplit le conteneur pour les donner. Ils s'envoient en Afrique avec le conteneur que quelqu'un leur a donné pour aller aider les gens. Il prend ce conteneur. Sinon, elle prend ce conteneur. Elle enlève les un dixième dedans. Elle enlève les un dixième dedans. Ou bien elle enlève les un dixième dedans. Et puis il fait vidéo pour
pour dire qu'il est en train d'aider les gens au Burkina, il est en train d'aider les gens au Mali, il est en train d'aider les gens en Côte d'Ivoire. Pour dire que ce que tu m'as donné là, voilà ça. Alors que dans la réalité, les 90% de ce qui était dans le conteneur là, il ou elle est allé faire une boutique à Ouagadougou pour gagner de l'argent dedans. Il ou elle est allé faire un magasin d'habits, de nourriture à Bamako, à Niamey, en Côte d'Ivoire, à Conakry. Et après, on vient s'asseoir pour dire qu'on est panafricain. Après, on vient s'asseoir pour dire qu'on est panafricain. Ah, vous êtes panafricain. Vous avez continué de mentir au peuple. Vous voulez anarquer le peuple. Vous voulez faire croire aux gens aujourd'hui là que le patron de Wagner là, il est aujourd'hui en Afrique. Mais vous avez changé de discours. Pourquoi vous ne dites pas maintenant que c'est l'armée russe qui est en Afrique? Ah, donc il n'est plus l'armée russe, hein. Il est le patron maintenant de Wagner. Sinon, il y a quelques mois de cela là, vous les Maliens, vous les Burkinabés, vous les Pouchistes là, vous avez dit ici que vous avez signé contrat avec Poutine pour qu'il vous donne Wagner. Mais aujourd'hui là, la vérité est sortie. Tout le monde reconnaît aujourd'hui que ceux là, c'est des mercenaires. Tout le monde reconnaît aujourd'hui. Ça dit que vous vous faites confiance à quelqu'un. Tellement lui-même, il n'a pas confiance en lui. Il ne peut pas dire sa position. Parce qu'il dit que je suis en Afrique. Votre vidéo que vous faites là, pour dire que le patron de Wagner est en Afrique là. Vous dites qu'il est en Afrique, mais l'Afrique est trop grande. Donnez-nous le nom du pays où il se trouve. Vous allez prendre une vidéo qui est écrite. Ça dit que le gars est en train de parler en russe. Personne ne comprend. Vous montrez un désert là-bas. Jean pour dire... Le même coin que vous avez montré derrière lui là, ce même coin là, ça existe en Europe ici. Voilà quelqu'un aujourd'hui qui ne peut pas se promener en Russie. Voilà quelqu'un aujourd'hui qui est devenu un fugitif. C'est lui, vous allez prendre pour dire que vous êtes en train d'effrayer la CEDEAO. C'est lui que vous allez prendre pour dire que, ça dit que vous êtes en train de vous blaguer vous-même. Vous vous blaguez vous-même. Et vous croyez que vous êtes en train de blaguer les gens. Vous blaguez vous-même. Et puis vous voulez faire croire aux gens que vous êtes en train de les blaguer. Mais vous ne nous blaguez pas. Non, vous ne nous blaguez pas. Vous êtes en train de jouer avec vous-même vos propres esprits. Sinon, ce n'est pas nous. Mettez les cœurs et partagez le direct, s'il vous plaît. Mettez les cœurs et partagez le direct. Hein? Ça dit que vous vous blaguez vous-même. Vous vous donnez de l'espoir. La dernière fois, on vous a vu ici, l'Union africaine s'oppose, l'Union africaine s'oppose, l'Union africaine s'oppose. L'Union africaine aujourd'hui a dit à la CEDEAO qu'ils ont pris note de la décision de la CEDEAO. Ils ne se sont pas arrêtés à là. Ils ont dit qu'ils demandent à la CEDEAO de leur dire sur le côté financier là, ou bien logistique là, qu'est-ce que l'Union africaine peut faire pour eux? Qu'est-ce que l'Union africaine peut faire pour les aider? Excusez-moi. Donc, vous êtes là. Chers frères et sœurs, dis-moi, dis de t'engrer là. Est-ce que depuis hier, que j'ai fini de faire mon direct, est-ce que tu as vu encore les gars partager la vidéo de... des choses, comment on appelle même là, Isaac Nyeba. Est-ce que depuis que j'ai fini de faire mon direct hier, et puis je les ai parlé là, est-ce que vous avez vu encore, ils ont pris la photo, la vidéo de Nyeba là, pour partager. Même les chaînes africaines là, qui parlaient de ça, est-ce qu'ils ont parlé? Ils ne peuvent plus parler. Hein? Est-ce que vous les avez vus montrer encore la vidéo là? Ils ne vont plus montrer. Parce qu'ils ne sont pas intelligents. Ça veut dire que quand j'ai fini mon direct hier, là, ils se sont appelés entre eux pour se dire, chers frères et sœurs, est-ce que vous avez vu le gars là, il est sorti sur nous? Mais ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Hein? C'est parce que nous, on n'est pas intelligents. Nous, on dit que Ouattara va tomber matin, midi et soir. Ouattara va tomber matin, midi et soir. Il y a quelqu'un qui vient faire vidéo pour dire
qu'il a fallu avoir un coup d'État contre Ouattara. Et que ce coup d'État a été déjoué. Et puis c'est nous maintenant, nous on prend ça. Et puis on danse avec ça. Eux tous, ils ont pris ça. Ils ont pris vidéo de Isaac Nieba là. Ils ont déposé ça dans poubelle. Vaurien nounou. Oui, oui. Vaurien nounou. Est-ce que vous les voyez encore partager la vidéo de Nieba? J'ai dit, je les ai mis à leur place hier. Kadisara Ouattara, salut à toi depuis ta position. Koniba Traoré, salut à toi. Je les ai recadrés. Ils sont tous rentrés dans leur trou. Ça dit que vous allez venir vous amuser avec des gens qui sont expérimentés, qui sont réfléchis. Ça dit que vous allez venir faire l'apologie. Vous allez venir nous dire qu'il y a eu un coup d'État contre notre président, contre le Prado. Et puis vous venez nous dire que oui, il y a eu un coup d'État contre lui et que le coup d'État a été déjoué. Et puis vous êtes là, vous le valorisez. Et puis vous pensez que vous êtes, c'est nous que vous êtes en train d'humilier. C'est là que je vous fais comprendre toujours. Vous ne faites pas dans la, vous ne faites pas la politique. Vous êtes aveuglé par la haine. Vous êtes aveuglé par la haine. Parce que votre seul problème, quand tu poses la question, c'est-à-dire que j'ai eu à parler avec un soi-disant panafricain un jour. Quelqu'un même qui organise les débats sur Facebook. C'est-à-dire que lui-même, il ne comprend pas bon français. Et puis il me dit, on a parlé avec les autres présidents africains. C'est Ouattara seulement qui bloque la monnaie. Comment on appelle la monnaie là? La monnaie qu'on veut utiliser pour remplacer le CFA là. Ça dit que moi tellement même, c'est même pas dans mon problème. Moi, je pense même pas à ça. Hein? Comment on appelle la monnaie là? La monnaie dont ils sont en train de parler. Ça dit qu'ils viennent s'asseoir. Et puis tu dis à Zulu de Bogota, Zulu, tu sais pourquoi on est fâché contre Ouattara? J'ai dit, dis-moi. Tu sais, le problème de la monnaie là, écho. Le problème de la monnaie qu'on veut créer là, tous les présidents sont d'accord, mais c'est Ouattara seulement qui bloque. Il dit, c'est Ouattara seulement qui bloque. Donc ça veut dire que tous les autres présidents sont d'accord, c'est Ouattara seulement qui bloque. Donc si je comprends bien, toi tu es panafricain là, tu es en train de me dire que tous les autres présidents là sont d'accord pour l'école, mais c'est Ouattara lui seul qui bloque. Il dit oui. J'ai dit, mais est-ce que tu te rends compte que tu es en train de me dire que moi, là, je ne me suis pas trompé? Il dit, mais pourquoi? J'ai dit, parce que ce que tu es en train de me dire, là, tu es en train de me dire que le président Ouattara, lui seul, a bloqué un projet dans toute l'Afrique. Ça veut dire que tous les autres présidents sont d'accord. Mais le fait seulement que Ouattara n'est pas d'accord, le projet, là, ça n'avance pas. Donc, tu es en train de moi me dire que Ouattara est puissant. Il dit, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai dit, non. C'est pas ce que tu voulais dire, comment? Est-ce que tu as besoin de dire dans ta bouche que Ouattara est fort? Tu n'as pas besoin de moi me dire que Ouattara est fort. Mais les actes que tu prouves devant moi. Donc quand toi tu viens me dire que l'écho aujourd'hui là ça n'avance pas. Parce que la seule personne qui bloque c'est Ouattara. Tu es en train de me dire que Ouattara c'est un chef. Il dit non, c'est pas ce que je veux dire. Je dis non, c'est ce que tu as dit. Je dis non, c'est ce que tu as dit. Tu es en train de me faire comprendre. Donc, ça veut dire que si Ouattara est d'accord aujourd'hui, là, l'écho s'en va, non? Il dit oui. J'ai dit, mais c'est ce que tu es en train de me dire, là. Tu es en train de me dire que Ouattara est fort, mon frère. Tu es en train de faire l'apologie de Ouattara. Ça veut dire que toi-même, tu es en train de me donner des informations sur le président Ouattara que moi, je ne sais pas. Ça veut dire que toi-même, tu es en train de me dire que Ouattara, c'est impuissant. Tu es en train de me dire que Ouattara, c'est un angama. Mais sans t'en rendre compte. Parce que tu ne réfléchis pas. J'ai dit, regardez bien les débats des soi-disant panafricains. J'ai dit, il y a des phrases que eux-mêmes ils disent. Quand tu prends cette même phrase et puis tu leur poses la question, le débat est clos, le débat est fini. Même aujourd'hui, là, à faire de la CEDEAO, là, ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Le fait aujourd'hui que le président Ouattara n'est pas le président de la CEDEAO. Le président Ouattara n'est pas le président de la CEDEAO. Et quand tu vois aujourd'hui que tous les panafricains sont concentrés sur le président Ouattara. Ça dit que tu leur poses la question et tous ils disent non, c'est Ouattara. Ça veut dire qu'ils sont en train de nous dire que si le président Ouattara dit on n'attaque pas le Niger, on n'attaque pas le Niger. Et que c'est Ouattara qui est derrière tout ça. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de nous dire que Ouattara est fort.
Ils sont en train de nous dire que nous, on ne s'est pas trompé. Ils sont en train de nous dire que eux, là, ils sont en train de suivre des moutons. Ils sont en train de suivre des moutons. Ils sont en train de nous dire, courage à vous, parce que vous êtes dans la vérité. Parce que l'homme que vous soutenez là, il est puissant. L'homme que vous soutenez là, vous ne savez pas à quel point il est puissant. Parce que nous, on sait comment il est puissant. Parce que l'homme que vous suivez là, est-ce que toi tu sais, toi Zulu de Bogota, est-ce que tu sais que tous les présidents africains là, pour la CDA, pour l'ECO là, tout le monde est d'accord. Mais le fait que c'est lui seulement qui n'est pas d'accord là, ça bloque. Est-ce que toi tu es au courant de ça? Il dit non, je ne suis pas au courant de ça. Donc ça veut dire que toi-même Zulu de Bogota là, tu supportes Ouattara là, mais tu sais, tu connais pas comment Ouattara est puissant. Tu ne sais pas comment Ouattara est puissant. Mais c'est parce que tout ça là aujourd'hui là, ça arrive parce que nous on n'a pas quelqu'un qui peut le bloquer. Quelqu'un qui parle pas trop. Quelqu'un qui parle pas trop. Voilà quelqu'un qui est rentré dans la politique. Ça dit que tous ceux qui l'ont attaqué hier, là, aujourd'hui, là, tout le monde tourne auprès, autour de lui. Voilà quelqu'un qui est rentré dans la politique. Depuis que le président Ouattara est rentré dans la politique, on a insulté le président Ouattara. On l'a traité de tous les mots. On lui a dit tous les mots. Mais le président Ouattara n'a jamais injurié un jour, un seul jour. Je ne parle même pas de jour. Une seule seconde, le président Ouattara ne s'est pas levé personnellement pour s'attaquer à ses adversaires politiques. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Est-ce que vous, militants du RHDP, est-ce que vous connaissez le président Ouattara? Le président Ouattara, à chaque fois qu'il fait une sortie, à chaque fois qu'il fait une sortie, retenez ça aujourd'hui, il sort toujours une petite phrase. Ça dit que quand il sort cette petite phrase-là, c'est fini. Hein? Les gens oublient. Tout le discours qu'il a fait, ils vont faire 2-3 semaines en train de parler de cette même phrase. Vous avez vu les gars la dernière fois, quand le président Ouattara a dit qu'il n'aura pas de coup d'état en Côte d'Ivoire, même les opposants de Côte d'Ivoire, eux tous ils sont sortis. Il dit qu'il n'aura pas de coup d'état, il dit qu'il n'aura pas de coup d'état. Mais pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit qu'il n'aura pas de coup d'état? Mais nous, on veut faire coup d'état. Mais on vous dit maintenant, il faut venir faire coup d'état. Où? Tu ne veux pas venir faire coup d'état? Non, on te dit que tu veux faire coup d'état. Non. Mais viens faire le coup d'état. Il va faire le coup d'État. Donc, ce que les gens doivent retenir, chers frères et sœurs, est-ce que vous, là, vous voyez la CDAO parler? Non. Depuis que la dernière fois, là, les chefs d'État-major se sont réunis, là, est-ce que vous avez vu encore les gens de la CDAO parler? Les gens de la CDAO ne parlent plus. Ça veut dire que tout ce qui est en train d'être fait maintenant, là, c'est le travail de fond qui est en train d'être fait. Ça dit que toutes les informations qui ont été recueillies sur Niamey ces 3 dernières semaines, les déplacements du général Sandan, les déplacements du général Dampouri, les communications du général Dampouri, les communications du général voleur, les communications du général bandit, les communications du général faiseur de coup d'État, on est en train de tout mettre en place. Maintenant, il y a quelque chose encore qui est en train de se passer au Niger qui est devenu un problème. Chers frères et sœurs, l'ancien président du Niger, là, qui s'était entendu avec les gens pour faire le coup d'État, là, il a compris aujourd'hui que ceux-là ne veulent pas lui donner le pouvoir. Depuis que le monsieur l'a dit la dernière fois que la transition, là, ça va faire 3 ans, il a commencé à revenir sur terre. Il a commencé à revenir sur terre. Il a commencé à comprendre maintenant. Donc j'ai été bête. Ah, ça veut dire que toi, tu as vendu Bazou. Tu t'es arrangé avec ce général pour qu'il fasse un coup d'État. Parce que selon toi, après le coup d'État, il va dire, les partis de l'opposition, venons, on va s'asseoir. Et puis on va partager le pouvoir ensemble. Depuis que cela s'est passé, l'ancien président Mahamadou Youssoufou, là, il a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est aujourd'hui lui, en cachette, qui veut rentrer en contact avec certains présidents de la CDAO. Mais les portes ont été fermées. Les portes ont été fermées. Depuis la déclaration du général Pouchis, Mahamadou Youssoufou a tenté de rentrer maintenant en contact avec certains chefs d'État
pour condamner et de leur demander l'intervention. On lui a dit non. Toi, on ne peut pas te donner d'informations. Toi, on ne peut pas te donner d'informations. Parce que ce qui s'est passé au Niger, là, c'est vrai que le général Tchani, là, il est devant. Mais là, l'ombre cachée de ce qui s'est passé là, c'est bel et bien toi. Donc, aujourd'hui, là, lui-même, il se pose la question aujourd'hui. Lui-même, il est en train de chercher des solutions maintenant pour sortir. Parce qu'il y a un problème. Toi, tu t'es attendu avec lui pour faire le coup d'État. Sûrement que lui, aujourd'hui, il a pris. Certainement, vous avez fait des accords. Et le général Tchani sait aujourd'hui, en âme et conscience, que les accords que tu as fait avec lui, là, il ne va pas les maintenir. Il ne va pas les maintenir. Toi, aujourd'hui, là, tu cherches une porte de sortie. Tu veux faire semblant de vouloir organiser un voyage pour dire que toi, tu vas aller parler avec le président de la CEDEAO. Le général Tchani dit non. Non. Toi, même s'il y a des gens qui doivent aller parler avec les gens de la CEDEAO, ce n'est pas toi, Mahamadou Youssoufou. Toi, tu restes ici avec moi. Toi, tu ne vas pas quelque part. Toi, tu vas rester ici avec moi. Il veut se présenter comme quelqu'un aujourd'hui qui connaît les présidents. Donc, il veut se présenter aujourd'hui comme quelqu'un qui peut conduire une délégation du général pour être intermédiaire entre lui et l'Union africaine ou bien la CEDEAO. Le général lui a dit non, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Parce que dès que tu vas sortir, dès qu'il va sortir, il ne va plus revenir au Niger. Maintenant, quand il sera dehors, là, tout ce qu'il n'a pas dit depuis que le coup d'État a été fait, là, c'est maintenant qu'il va parler. Mais seulement, il y a un problème. Même le général peut te laisser sortir, mais ton fils est dans sa main. Mais malgré tout ça, il dit, tu ne sors pas. Comment je veux me présenter en intermédiaire entre toi et la CEDEAO parce que j'ai été déjà président, je connais le président. On dit non. Kadi Fofana, ma très chère mémé, salut à toi depuis ta position. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, pour sécuriser le direct. Mettez les cœurs. Jack, salut à toi depuis ta position. Mettez les cœurs. Alexandra Oussou, depuis le grain de Yamoussoukro, salut à toi. Sita Kone, épouse Traoré, salut à toi, ma très chère maman, depuis ta position. Mettez les cœurs et sécurisez le direct, s'il vous plaît. Mettez les cœurs et sécurisez le direct. Je vous ai dit que moi, les soi-disant panafricains, ils n'ont pas d'informations. Ce que je suis en train de vous dire, c'est des sources sûres. Depuis l'annonce du général la dernière fois pour dire que la transition là va faire 3 ans, là, ce n'était pas ça le plan de Mahamadou Youssoufou. Mahamadou Youssoufou aujourd'hui veut trouver des excuses pour pouvoir s'échapper de la situation. Mais Mahamadou Youssoufou, tu ne peux pas sortir. Oui, tu ne peux pas sortir. Parce que tu t'es mis avec eux là. Pour qu'on arrête Bazoum. Pour que Bazoum ne soit pas président. Mais ce monsieur-là t'a rendu service. Parce que tu as géré le pays avec lui. Donc, tu ne vas pas sortir du pays. Et puis toi, de toi à moi, toi Mahamadou Youssoufou, toi tu vas aller parler avec le président de la CEDEAO. Karim Emma, salut à toi depuis ta position. Non, toi, tu vas aller parler avec quel président de la CEDEAO? Je ne sais pas de quel président tu parles. C'est avec le président Ouattara, tu vas aller parler. C'est avec le président Ibou. C'est avec Étalon. C'est avec, comment on appelle, Foya Simbe. Vous avez menti ici sur les réseaux sociaux. Le Togo dit non, on ne peut pas utiliser son espace aérien. Le Togo dit, l'Union africaine dit que non, ils ne sont pas d'accord. L'Union africaine dit, l'Union africaine dit, mais chers frères et sœurs, l'Union africaine est sortie et aujourd'hui, l'Union africaine a dit qu'ils prennent acte et qu'ils sont même prêts à aider la CEDEAO.
sur le plan financier et même sur le plan logistique. Voilà pourquoi je vous ai dit la dernière fois. Les soldats du Niger, là, ils savent que ce que j'ai dit là, c'est vrai. Chers frères et sœurs, depuis la dernière fois, je vous ai dit ici. Le général Tchiani, aujourd'hui, là, il y a 2-3 colonels qui ont disparu de la circulation. Ils ne sont pas où ils sont. Et lui-même, il est convaincu que ces colonels ont formé plein de jeunes aujourd'hui dans l'armée. Ont formé plein de jeunes aujourd'hui dans l'armée. Toi, tu es un ancien président. Il y a eu coup d'État dans le pays. Tout le monde parle. Tout le monde parle. Toi-même qui étais chargé des missions de Bazoum, toi, tu ne parles pas. Tout le monde se pose la question. Pourquoi Mahamadou Issoufou ne parle pas? Tu fais vu et ignoré. Tu fais vu et ignoré. Aujourd'hui, dès que tu as compris qu'il a parlé de 3 ans, tu vas à côté de lui. Mahamadou Issoufou, toi-même, tu vas te poser la question de savoir. Mais l'Ivoirien là-haut, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Il n'est même pas en Afrique. Il est en Europe. Mais comment il fait pour savoir ce problème-là? L'entourage même du général Tchiani, ils vont se poser la question. Lui, là, il fait comment pour savoir toutes ces informations? Je vous ai déjà dit. Le Zulu de Bogota, je suis un one gam. Parmi vous-même, là, parmi vous-même, les tops sont parmi vous, là-bas. Parmi vous, là, les tops sont parmi vous. Voilà quelqu'un aujourd'hui, le général Tchiani. Ça dit que toi, tu as fait coup d'État. Tu te dis que tu es président. Pourquoi tu ne veux pas que ceux qui travaillent au palais la préparent pour toi? Non, ceux qui travaillent au palais là-haut, pourquoi tu ne veux pas qu'ils préparent pour toi? Pourquoi tu ne veux pas que les cuisiniers qui sont au palais là préparent pour toi? Pourquoi tu ne veux pas? Ah, tu es fort, non? Si tu refuses de manger de nourriture des cuisiniers là, c'est que toi-même tu as peur. C'est que toi-même là, tu as peur. Mais ce que je suis en train de dire là, il n'y a pas quelqu'un qui peut sortir au palais pour venir me dire que ce que j'ai dit là, c'est faux. Parce que, cher frère, c'est une réalité. Il a peur de manger ce que les cuisiniers préparent là-bas. Mais voilà des gens qui nous ont fait croire que oui, la CDA, on ne peut pas faire quelque chose. Vous avez pris ici la propagande sur la déclaration de l'Union africaine. Alors que l'Union africaine avait donné un seul message. C'était de dire, donnons la priorité au dialogue. C'est ce que l'Union africaine a dit. Mais l'Union africaine n'a pas dit à la CDAO, non, vous ne devez pas intervenir. L'Union africaine ne peut pas dire ça à la CDAO. L'Union africaine ne peut pas dire ça à la CDAO. Mais je vais vous dire, vous allez rester dans vos bruits sur les réseaux sociaux. Wallahi billahi. Vous allez rester dans vos bruits sur les réseaux sociaux. Vous allez vous réveiller à 3h du matin à Niamey là. Tchiani là, il n'est plus là-bas. Asseyez-vous, vous allez voir. Vous pensez qu'on est dans l'amusement? On n'est pas dans l'amusement. Hein? Vous pensez qu'on est dans l'amusement, mais on n'est pas dans l'amusement. L'Union africaine aujourd'hui a fermé la bouche de ses soi-disant panafricains. Ils ont pris le discours, ils ont transformé le discours hier de l'Union africaine. Oui, l'Union africaine a dit à la CDAO qu'il ne doit pas intervenir. Le Tchad a dit on ne doit pas utiliser son truc. Le Tchad a dit comme ça, rentrez ici, sortez ici. Mais de quoi vous êtes en train de parler? Non, de quoi vous êtes en train de parler? Chers frères et sœurs, j'aimerais encore dire merci ici aux panafricains qui de plus en plus, chers frères et sœurs, sont en train de nous motiver pour soutenir le président Ouattara.
Walaikum salam, Cheikh Oustaz Enza Bamba, salut à toi. Les informations qu'on vous donne là, c'est les vraies informations, chers frères et sœurs. Je vais vous dire, j'ai dit, si tu veux, essaye. Tu as ton frère qui est policier en Côte d'Ivoire. Tu as ton frère qui est gendarme en Côte d'Ivoire. Tu as ton frère qui est militaire en Côte d'Ivoire. Tu as ton frère qui est marin en Côte d'Ivoire. Il faut t'approcher à côté de lui. Et puis tu lui parles la nuit. Ça dit que vous êtes dans la maison. Il dit, eh, ben, mais les gens disent qu'il y a un coup d'état dans le pays là. Comment toi tu vois ça? Il va te dire, Mamadi, toi me disais que moi je suis go. Tu sais que je suis policier là. C'est Laurent Gbagbo qui a fait. C'est grâce à Laurent Gbagbo que je suis devenu policier. Ok. Tu sais que notre cousin là, il est gendarme. C'est grâce à Laurent Gbagbo qu'il est devenu gendarme. Okay. Tu sais que le vieux père aussi, c'est un militaire. Mais tu sais que c'est grâce au pouvoir de Bédier, il est devenu militaire. Mais tu sais même que lui-même, il est gradé aujourd'hui. Mais mon petit, faut pas en se mentir. Faut pas en se mentir. Les gens là, le monsieur là, il a sécurisé le pays. Vraiment, mon petit, on a qu'à se dire la vérité entre nous. C'est, on ne l'aime pas, hein. Parler vraiment ces choses. Mais tu, depuis que le gars est au pouvoir, est-ce qu'il a vu un jour à la rue Princesse? Est-ce que tu l'as vu parler les banalités? Non, je te dis quelque chose. Tous ceux qui vous disent qu'on peut faire coup d'État en Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire coup d'État en Côte d'Ivoire. On ne peut pas faire coup d'État en Côte d'Ivoire. Même militaire dans son rêve. Wallahi billahi tallahi. C'est moi qui vous dis. Ça dit que dès que vous sortez, vous n'allez plus sortir. Je vais vous donner un petit exemple. Souvent là, c'est déplorable de parler, mais il faut qu'on parle. Vous vous rappelez de l'histoire des 8000 en 2017. Ça fait combien d'années aujourd'hui? 2018 est fini. 19 est fini. 20, 21, 22. On est en train de finir 23. Ils ont dit qu'ils allaient sortir encore pour manifester. Et que si on ne leur avait pas donné leur argent là, ils vont mélanger le pays. De vous en moi. Depuis ce jour-là, vous avez entendu parler d'eux encore? Non, depuis ce jour-là, vous avez entendu parler d'eux encore? Est-ce que les parents sont venus dire qu'ils sont morts? Non! On n'est pas pressé. Nous là, quand tu fais tes trucs, on te regarde. Quand tu fais tes trucs, on te regarde. Mais le jour où on décide de mettre bras sur toi, le jour où on met bras sur toi, et puis on te fait asseoir dans la chaise, et puis on te passe maintenant la feuille, il faut lire ça. Ça, c'est ta convocation, il faut lire. Et puis toi-même, tu lis. Et puis on te pose la question. C'est toi qui as communiqué ou bien c'est pas toi qui as communiqué? Tu dis oui, ok. On dit, bon, on va, comme c'est écrit, peut-être que tu as dit non, que c'est pas toi qui as écrit ces choses, ok. Et puis on met le téléphone devant toi maintenant. Et puis on met le volume. Et puis on te pose la question, mais qui parle là? Tu dis oui, c'est moi. Et puis tu commences à demander pardon. Non, on dit non, c'est pas une question de pardon. C'est pas une question de pardon. Nous là, c'est la force tranquille. Nous, on n'est pas pressés. Nous, on n'est pas dans les espoirs de se presser. Non, vous allez faire comme ça. Non, 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 nous, calme. Au calme. Vous vous rappelez de 2020? Lors des élections. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que les opposants n'ont pas dit en Côte d'Ivoire? Mais chers frères et sœurs, le 31 octobre 2020, là, c'est passé... C'est-à-dire, c'est passé comme un jour normal. Ceux-mêmes qui étaient en Côte d'Ivoire se sont posés la question de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que tellement ils ont fait peur, il y a des Ivoiriens même qui priaient Dieu, il ne faut pas le 31 octobre va arriver. Tellement ils ont fait peur aux gens, il y a des gens qui disaient non, le 31 octobre, il ne faut pas venir. Tellement ils ont fait peur. Mais le 31, là, s'est passé tellement tranquille. Et puis dans ça là, on ne s'est pas arrêté là. On les a arrêtés, eux tous. C'est-à-dire en un seul jour, on les a arrêtés, eux tous.
On les a arrêtés, eux tous. Eux-mêmes, avec à la tête leur chef, que son âme repose en paix, le président Bédier. C'est lui maintenant qui a commencé à prendre téléphone pour appeler les diplomates, ambassadeurs de France, des États-Unis. Et puis, eux lui disent, non, faut pas te préoccuper, président, ils ne vont rien te faire. C'est juste te caresser, te protéger. Mais depuis ce jour-là, vous les avez encore entendu parler. C'est comme ça, ils sont assis aujourd'hui là, et puis ils disent, 2025, militants du RHDP, il faut t'asseoir tranquille. Il faut dormir tranquille. 2025, là, on va prendre le président Ouattara, on va le déposer. Même mouche, s'élève pas. C'est moi qui vous dis ça. J'ai dit, 2025, on va déposer le président Ouattara. Comme chez nous, en Djoula, on dit, Inch'Allah, on va déposer le président Ouattara, même si c'est à Théouri, à Kikan. C'est moi qui vous dis ça. Je vois souvent des opposants qui viennent sur mes directs et puis me disent, Zuru de Bogota, mais est-ce que tu sais que le pouvoir là, ça va changer? Mais est-ce que ce que tu es en train de faire là, demain là, quand ça va changer là, ça ne sera pas bon pour toi? Ah, Adama, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. On dirait que toi, tu n'as pas encore compris le combat de Zulu de Bogota. C'est parce que moi-même, je sais que quand ça va changer là, je ne pourrai pas profiter. Donc, je vais profiter maintenant. Que je profite ou que je ne profite pas, je sais que quand ça va changer, je sais ce que je vais voir dedans. Je sais que je vais lire l'heure dedans. Voilà pourquoi je veux profiter maintenant. Maintenant, comme toi, tu dis que si demain ça change, voilà pourquoi je te dis, c'est toi qui ne réfléchis pas. C'est toi qui n'es pas intelligent. C'est parce que moi-même, je sais que quand ça va changer, là, je ne pourrai pas profiter. Donc, je profite maintenant. Donc, toi, il faut t'asseoir. Le jour, toi, tu vas prendre encore, là, tu vas profiter. Mais pour le moment, là, attends, je vais profiter un peu. Aïe! C'est même pas un peu. Attends, je vais profiter beaucoup. Comme ça, demain, quand ça va changer, je ne vais pas regretter. Je vais dire, hein, mais quand le pouvoir en avait ça hier, pourquoi je n'ai pas fait ça? Si je savais, n'a pas de queue. Si je savais, là, n'a pas de queue. Mon frère, on va profiter maintenant et puis on va bien sécuriser. Ça dit que vous allez rester dans ça. Zulu, quand le pouvoir va changer, ce que tu ne sais pas, mon frère, toi-même, tu es en train de me dire aujourd'hui que quand le pouvoir va changer, mais je suis convaincu que toi qui es en train de me dire ça là, tes enfants vont dire ça à mes enfants demain, que quand le pouvoir va changer. Tes petits-enfants vont dire ça à mes petits-enfants demain, quand le pouvoir va changer. Tes arrière-petits-enfants vont dire à mes arrière-petits-enfants quand le pouvoir va changer. Ah oui, oui. Donc, asseyez-vous tranquillement. Votre discours de dire que vous, quand ça va changer là, j'ai dit vos enfants vont venir dire même parole là ici. Vos petits-enfants vont venir dire la même chose. Vos arrière-petits-enfants vont venir dire la même chose. Mais nous, on avance. Nous, on avance et puis on profite. Salut Matou. Neneso, salut à toi, ma très chère soeur, depuis ta position. Donc, voilà pourquoi je vous dis, militants du RHDP, restons sereins, fouillez. Fouillez. Chers frères et sœurs, c'était votre frère, le Zulu de Bogota, depuis sa position. Bonne soirée à vous, que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Demain est notre jour. Merci beaucoup encore.